Anouna, aujourd'hui nous allons faire de hashta. Hashta, c'est quoi? C'est une farce qu'on met dans beaucoup de gâteaux orientaux. Pour ceci, il me faut 500 ml du lait et j'ai pris la même quantité, 500 ml de la crème fraîche. J'ai pris 3 cuillères de semoule très très fine, semid na'im. 3 ملعات و 2 ملعات نشا و 2 مايزينا. J'incorpore tout ça ensemble. Là, je fais bien le mélange pour que je n'ai pas de grumeaux. Et ensuite, j'ajoute le sucre. Moi, j'ai mis 3 cuillères à soupe, 3 ملاعق تبعت السكر و انتو حطو يعني si quelqu'un il veut que ce soit plus sucré ou moins sucré. Ça vous revient, c'est le goût qui vous revient. Mais n'oubliez pas, ne la mettez pas trop sucrée parce que le hashta se mange toujours avec un sirop de sucre qui s'appelle le attar. Et nous, on la mange avec le miel. Moi, je préfère le miel vu que j'ai déjà mis le sucre et on a beaucoup dans nos gâteaux orientaux, on mange beaucoup de sucre. Donc, je préfère remplacer par le miel. Donc, à ce stade, mes chers amis, je vous dis... Que le hashta ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop liquide. Le hashta taboul qu'on l'a mis dans le chauffier, yani ma tricoua mara ou kamen ma tiji met le zuleb siyara yani tiji minhon minhon. Entou ptaarfo bas betchoufo. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pas oublié encore? Sur ce, les amis, je souhaite que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et vous allez voir la suite en image, il n'y a plus rien, il n'y a que remuer et n'arrêtez surtout pas de remuer parce que la maïzena et la semoule, elle va descendre en bas. Et je vais continuer et si en cas où elle est trop liquide, je vais ajouter un peu de maïzena. Mais ça, c'est plus tard qu'on saura. À la fin de la cuisson, on éteint et on va ajouter l'eau de fleur d'oranger. يلا احبتي ما تنسوا بدلكم تخلطوا فيها لا تستوي الاشتا تبعولكم وكان كان صار مثل المرأة هيك بتيكم تزيدوها النشا سور سو ان شاء الله بتعجبكم الاشتا تبعت اليوم بتعملوها بالقطايف بتعملوها بحلوة الجبن نعملها بكتير كتير اكلات يعني وبتجنن وفينا ناكلها طازة كمان Et on peut la manger toute seule juste dans un ramequin et on ajoute le sirop ou le miel. Sur ce, les amis, à tout à l'heure. Sur image, bien sûr. Yalla, bye! Voilà, mes amis, le hashta se conserve très bien. Et quand vous faites pour un gâteau libanais, vous la faites toujours la veille. Moi, par exemple, je vais la faire pour Halout Jaban 2. Demain, je dois faire mon halout jaban. Je dois faire mon hashta aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'elle soit bien froide et qu'elle se tienne pour la farce de mes gâteaux. Voilà. Et si vous faites des ataïf aussi, les ataïf aussi, vous faites la farce aujourd'hui. Et demain, vous faites vos galettes pour les farcir. Ça se conserve très bien au frigo. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment moi je la conserve. Et je la filme et je la mets au frigo. Et toujours, quand vous mettez le papier alimentaire, essayez de la mettre au contact. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'air qui y rentre. Voilà. Donc, l'hashta, il y a une fille qu'on a amenée à Abliom, Kiliom. Il y a une fille qu'on a amenée à Abliom. انه الاشتا لما بتضل عندكم طول الليل بالبراد حتجمد وبتشد حالها يعني وين بتحطوها لكن شو بدي اقول لكم بعد فوالا سي جي اوبليي كلكي شوز فو بوفي توجور بوزي لا كيسيون اي Je serai ravie de vous répondre. Sur ce, les amis, je souhaite que mon hashta vous a plu et que vous allez la faire pour votre famille. Et n'oubliez pas, le hashta ne doit pas être dur comme un caoutchouc et elle ne doit pas être comme une soupe. Elle doit rester comme une purée faite maison, bien faite. Vous voyez comment elle commence à s'épaissir. Donc, c'est que du bonheur. Sur ce, les amis, on va se dire à tout à l'heure.
sur image يلا احبتي يعني شو بدي اقول لكم كان نسيت شيء فيكم تكتبوا لي وبجاوبكم افيك ان غران بليزير والاشتا يعني فيها الضل يعني ضل كثير يعني بالبراد لما بتكون مسكره منيح وبس بتكون مسكرون بتكون تسكروها لزقوا عليها هيدا الساشي غذائي يلا شو بدي اقول لكم يلا باي